Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait, merci beaucoup. On démarre tranquillement. Alors, l'objectif de la révision, qui est appelée ici leçon 5, mais qui est en fait une révision, c'est de vous rappeler comment gérer les objets dans une BD. Pour ça, se rappeler vite, vite, c'est quoi la modélisation de données? On ne touchera pas à la normalisation. Et on va apprendre à créer des modèles de données. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est une simplification de la réalité qui habituellement nous permet de communiquer avec une espèce de focus. Donc, si je regarde à gauche la carte du métro de Montréal, bien, on voit que l'île de Montréal, c'est tout le truc blanc. Mais si on s'arrête dans la réalité, l'île de Montréal, c'est nettement plus complexe que ça. Puis là, je pourrais avoir aussi les fils électriques, je pourrais avoir les pistes cyclables, je pourrais avoir tous les égouts. On comprend que si on essaye de représenter toute la ville de Montréal sur un seul modèle, on n'y arrivera pas. On va avoir beaucoup trop de choses. Alors, on se prend le niveau d'abstraction et selon ce qu'on a de besoin, hein, dans la carte de droite, c'est probablement une carte routière pour me permettre de localiser les endroits les plus intéressants et comment m'y rendre à pied ou en voiture. Tandis qu'à gauche, on a identifié les stations de métro et l'endroit approximatif où ça arrive à l'intérieur de la ville. Et si je vous demande à haute voix de m'identifier pourquoi est-ce qu'on pourrait modéliser? À quoi ça sert faire un modèle? Soit un modèle de données? Oui, j'écoute. J'imagine que ce serait comme faire un plan de cours, je dirais un plan de texte, c'est-à-dire qu'en français, quand on fait par exemple un texte, on fait un petit plan, ensuite on sait qu'est-ce qu'on va écrire. Dans ce cas-là, on pourrait faire comme un schéma de la structure du programme ou de la base de données. Puis ensuite, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le code, peut-être. C'est un bon début, mais est-ce que c'est seulement nous qui avons comme... est-ce que c'est seulement nous le lecteur d'un modèle en tant que programmeur? Non. Qui d'autre va lire ce modèle-là? J'imagine celui qui va utiliser la base de données. Peut-être que genre le HR dans la situation de... Oui, si je fais un système de gestion d'employés, tu as raison, ce serait les gens des ressources humaines. Ou si je fais une boutique en ligne comme système, ben c'est probablement les utilisateurs de la boutique, les employés. Donc, on voit que oui, on est un lecteur du modèle et comme tu as dit, ça va nous guider pour la réalisation du système. Mais on comprend aussi que quand je prends des besoins qui me proviennent d'un utilisateur, il faut qu'il s'assure que j'ai bien compris. Donc, un modèle, c'est aussi souvent un guide, comme tu as dit, Ali, mais aussi, ça me permet de dire à l'utilisateur ce que j'ai compris qu'il m'a demandé pour qu'il me valide. Et on a ici un ensemble de raisons. Donc, premièrement, en simplifiant le système, souvent, ça nous permet de mieux comprendre. Parce que je n'essaie pas de tout comprendre la planète entière, j'essaie juste de regarder le système qui m'intéresse. Après ça, bien, comme on a dit, c'est pour communiquer. Ensuite, ça nous sert de modèle comme un plan tout au long du système. Donc, on a un enregistrement. On a vu que la carte nous permettait de simplifier la ville de Montréal, qui est une situation fort complexe, mais je pouvais la réduire en complexité en faisant une map juste, par exemple, des métros. Souvent, ça va nous servir à avoir une vue globale. Hein? Quand on fait un diagramme de contexte, quand on va voir tantôt, on va se reculer puis regarder c'est quoi qui est la portée de notre système. Et ça peut générer des scripts de BD dans le cas qui nous intéresse ici, parce que quand on fait notre modèle puis qu'on y fournit l'ensemble des données, ben SQL développeur peut même générer nos scripts de création de table.
Donc, le modèle que je revise, c'est le modèle entité-association, aussi appelé modèle de données. Et en UML, ça s'apparente à un diagramme de classe. Pourquoi j'ai introduit la notion de UML? On va le voir tantôt dans le diagramme de code d'utilisation. Ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre. Vous allez raffiner ça dans d'autres cours de votre parcours académique en génie logiciel, mais donc vous allez avoir une idée vers où on s'en va. Et un modèle entité-association dans un système, c'est un peu la carte géographique des données qu'on va stocker. Ça ne nous dit pas comment on les stocke, ça ne nous dit pas comment l'utilisateur va les saisir, mais ça va nous dire où on met les données sur les entités qu'on a. Donc, on veut définir, quand on s'arrête puis on est dans le modèle entité-association, on a deux choses à faire. Un, comprendre les entités qu'il y a dans un système. Donc, par entité, on entend un objet dont on a besoin de gérer pour la réalisation de notre système. Puis là, j'aimerais que vous me donniez des exemples. Par exemple, pour une boutique en ligne, ce serait quoi des objets qu'on a besoin de gérer dans le cadre d'être capable de recevoir la commande d'un client, accepter son paiement, puis, mettons, lui faire une livraison. Et naturellement, il doit être capable de voir nos produits. Selon vous, quelle serait la liste des entités? Puis, je vais m'ouvrir un petit Word pour en prendre note des suggestions qui me sont faites. Donc, entité d'une boutique de, on va dire vente de vêtements, tiens. Je pense qu'il y a produit. Oui, on va vendre des produits, donc il y a l'entité produit. Facture. On va avoir à facturer. Client. Client parce qu'il va probablement avoir à s'inscrire. Peut-être rayon. Ou rayon, ça serait peut-être un attribut de produit selon moi. OK. Mais là, j'ai des clients, des produits, des factures. C'est quoi la première chose que je fais quand je choisis un produit dans un catalogue en ligne? L'achat. Donc, l'achat, si je la retourne de côté, est-ce que ce serait une commande pour moi en tant que boutique? Oui. Donc, on a une commande. Qu'est-ce qu'on a aussi qu'on peut remplir dans le cas de notre magasinage en ligne, mais qui ne deviendra pas nécessairement une commande? Un panier. Merci. Un panier. Donc là, on a un panier dans lequel on peut mettre des produits qu'on peut transformer en commande, qui va devenir une facture. On a des clients. Il y a une dernière chose, je pense, qu'on a besoin d'ajouter. Il faudrait peut-être être payé pour ce qu'on vend. Fournisseur? On ne gérera pas dans notre boutique le fait d'acheter des produits. C'est une bonne suggestion, Priscille, mais je veux garder ça simple. Et ça a l'air? Oh, plus simple que ça. Il y a quelqu'un qui va me payer. C'est qui me paye? Le client. Oui. Donc, je dois avoir l'information de paiement, sinon je ne serai pas capable, par exemple, de me retourner puis de dire à Mastercard de me payer. Donc, je vais avoir besoin des informations de paiement. Moi, je pense qu'avec ça, on a fait le tour pas mal des entités d'une boutique de vente de vêtements en ligne. Donc, je vois que vous avez une bonne compréhension intuitive d'une entité. C'est ce que j'ai besoin de gérer pour rendre mon système opérationnel. Si je vous demandais quoi de plus qu'on a besoin sur les entités pour faire un modèle entité-association?
Je pense la relation qui les lie. Avant ça, juste sur l'entité, on a-tu assez en disant c'est un produit? Attribut. Ah, merci beaucoup. On a les entités, puis on ajoute les attributs. Sur produit, donnez-moi un exemple d'attribut. Non. J'en voudrais un autre, quelqu'un. Prix. Combien on a en stock? Ah, donc les quantités, le stock. Une prochaine marchandise du produit. Pardon? La prochaine fois qu'on reçoit du nouveau stock du produit. Date de réception prévue. OK. Si on regardait client. Je sais, je peux donner les attributs, même s'il y a un programme d'essai de rentrer. Donnez-vous. Je m'excuse, Adriana, je n'ai pas bien compris l'attribut dont tu parlais. Vas-y, tu peux-tu répéter? Ah non, non, je n'ai pas donné l'attribut, c'est le nombre de clients. Parfait. Mais juste le, parce qu'il y a un élève qui essaie de rentrer dans mes cours aussi. Le nom? Ah, oh, il y a un programme. Excuse-moi. Oui. Merci. Oui, je vois que... Oh mon Dieu, oui. Chat, participant, admin. OK, puis j'en ai même qui m'a nommé dans le chat. C'est beau, j'ai placé. Donc, nom, prénom, adresse. Merci. Numéro du client. Ah, le numéro, puis là, t'amènes un très bon point. Le numéro, on va l'assigner dans le modèle relationnel. Dans le modèle physique, il est assumé. Mais c'était un bon point et je comprends ce que tu dis. On va voir qu'est-ce qui se passe quand j'arrive là. Mais je vois que vous, la notion d'attribut vous est revenue très rapidement. Fait que je vais pouvoir, avec ça, on va aller ensemble faire un exemple tantôt. Donc, au niveau, ça, c'en est des exemples et vous connaissez aussi celui qui est Oracle. Le modèle logique, c'est le modèle que j'ai d'illustrer ici et on va le transformer en modèle physique. Mais, ah oui, vois-tu, j'ai mon attribut. Bon, ben, c'est un bon point. Mes attributs, on a besoin de nommer la clé primaire. Donc, la clé primaire d'un produit, c'est quoi habituellement? C'est l'attribut qui le détermine de manière unique. Puis on le nomme comment habituellement? ID. Et le nom de l'entité. Okay. Parfait. C'est beau. On a avancé. Et là, ça, c'est mon modèle logique qu'on va dessiner. On arrive après ça au modèle physique qui, lui, va me servir à générer, entre autres, les scripts qui vont mettre automatiquement les clés étrangères. Alors là, on va tranquillement, pas vite, se rappeler le formalisme d'Oracle. Quand je parle du formalisme, quand je parle d'un diagramme, je parle des symboles qu'on utilise et ce qu'ils représentent. Donc, on arrive ici, une boîte au coin arrondi, c'est quoi? C'est l'entité. C'est l'entité. La ligne entre les deux, c'est quoi? Relation? Oui, ou association. Les deux termes sont utilisés de façon interchangeable. Si j'ai des petites pattes de coq, qu'est-ce que ça veut dire? Là, si on regarde programme à étudiant, je vois que du côté d'étudiant, j'ai de petites pattes de coq comme ça. Un ou plusieurs? Et voilà, ça veut dire qu'un programme contient un ou plusieurs étudiants, ce qui fait plein de sens. Et étant donné que la ligne est pleine et non tiretée, ça devrait en fait aussi vous rappeler la notion d'optionnalité ou d'obligation. Donc, un programme, ligne pleine, donc doit
contenir un ou plusieurs étudiants. Et un étudiant doit être inscrit dans un et un seul programme. De toute façon, on va viser la clé de lecture. Donc, pour se rappeler les attributs, bon, l'entité, c'est la boîte au coin arrondi. Elle comprend son nom puis les attributs listés en dessous. Pour vous le rappeler, quand je mets dièse devant le nom d'un attribut, ça désigne sa clé primaire. Quand je mets un cercle plein ou un astérix, ça veut dire que l'attribut est obligatoire. Ça veut dire que vous, en tant que programmeur, quand vous allez dessiner les interfaces, vous allez vous assurer qu'elle est remplie. Puis en même temps, dans la base de données, cet attribut-là, il va être non nul. Donc, il va être forcé. Et on a après ça, les attributs optionnels sont précédés du symbole O pour dire optionnel. La cardinalité, c'est la nature du lien. Est-ce qu'on parle de 1 à 1 ou de 1 à plusieurs? Donc, quand j'utilise quelle est la cardinalité de la relation, je veux dire, est-ce que c'est une petite ligne ou est-ce que ce sont des pattes de coq? Là, on va regarder ici. On a toujours notre bel exemple. Donc, lorsque c'est optionnel, on met des tirets. Et lorsque c'est obligatoire, on met une ligne pleine. Si je vous demande ici, selon vous, est-ce qu'on pourrait mettre dans ce modèle-là un côté optionnel? Quel modèle? Dans le modèle qui est devant vous, on a un tout petit modèle qui comprend des étudiants et des programmes. Moi, si je pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre optionnel là-dedans? Un stagiaire? Non, j'ai juste ça ici. Étudiant en programme. L'étudiant, il peut avoir un programme. Je pense. Le programme peut avoir un étudiant ou non. Monsieur, je pense. Donc, attends deux minutes, j'ai de quoi d'intéressant. La première chose qui est dit, c'est l'étudiant, le lien entre étudiant et programme pourrait être optionnel. Pas vraiment. Ça, mais dans l'université, la réponse, c'est oui. Là, et quand je parle d'optionnalité, ici, je parle au niveau du lien et non pas au niveau des attributs. OK, il pourrait avoir beaucoup d'autres attributs, là, mais je parle vraiment du lien. En fait, Adriana, tu as raison. À l'université, tu as le droit de t'inscrire, du moins ici au Québec, comme étudiant libre. Ça, ça veut dire que tu es un étudiant à l'université, mais que tu n'es pas associé à un programme. Donc, oui, étudiant à programme pourrait être optionnel. Et de l'autre côté, Priscille, t'avais-tu quelque chose à suggérer? Ah non, c'était juste pour dire... C'était pour dire le contraire, mais là, je comprends ce que je veux dire. Non, mais tu as un bon point. Imagine-toi que je veux créer un programme d'intelligence artificielle avant de pouvoir l'offrir aux étudiants. Il va falloir que je le crée dans mon système pour dire les cours, pour dire tout ça. Mais si le lien, et c'est pour ça que je disais, je pressentais, Priscille, que tu avais vu une faiblesse dans le modèle, c'est que le programme, s'il est obligatoire, je vais être obligé de mettre un étudiant dedans. Oui. Donc, comme Christian aussi l'a suggéré, selon moi, le lien qui est ici, l'association devrait être tirée des deux côtés. Mais au collégial, ce n'est pas possible qu'un étudiant ne soit pas associé à un programme. Contrairement à l'université. Là. Donc, si on regarde si notre lentille d'approche c'est le collégial, faut comprendre qu'il n'est pas possible d'avoir un étudiant qui n'a pas de programme. Donc, si on fait rapidement, puis là, je vais vous demander de démarrer votre SQL développeur. Puis, je vais en même temps vous rappeler comment démarrer. Parce que mon but, après ça, ça va être de vous faire un petit exercice pour rappeler à tout le monde comment faire un modèle avec SQL Developer.
Ça, c'est pour en ouvrir un. C'était dans... Déjà, la mémoire me manque. View, j'ai-tu Data Modeler? Non. Tools. Data Modeler. Et... Affichage. Dans View, Data Modeler. Ah oui. Merci beaucoup, Priscille. View, Data Modeler, Browser. En français, là, vous avez navigateur, navigateur web, si je me rappelle. Prenez celui du haut. Et ça va vous faire apparaître dans la sud gauche. Je vais fermer ça ici, vous aider. Là. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça, que vous allez être capable d'ouvrir. Et on clique sur le modèle logique. Et si vous faites bouton de droite, afficher, il va vous ouvrir un petit onglet. Je vous attends, je veux que tout le monde fasse ça. On va refaire, pour commencer, le tout petit modèle qui est ici, mais selon moi, un peu meilleur, avec étudiants et programmes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables d'ouvrir? Monsieur? Oui, Hamza? J'ai la machine en saved. Je me rappelle avant, quand elle était en saved, on ne pouvait pas l'ouvrir. On fait comment pour enlever le mot de passe? Pas de problème. Ah non, ça ne veut pas être ça le problème. Tu devrais, de toute façon, là, le SQL développeur devrait être installé localement sur ta machine à toi et non pas dans ta VM. Tu n'es même pas obligé de partir la VM. Là, moi, mon VirtualBox n'est pas parti. Tout le côté Data Modeler fonctionne sans base de données rattachée. OK, OK, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y en a un autre qui a une petite problématique avec son Data Modeler? Moi, j'ai oublié dans Logical Model, on met les bons boutons droits. C'est quoi? C'est Create Subview, non? Attends une minute, excuse-moi, je n'ai pas compris, Adriana. Après qu'on a les petits comme browser de là. Et à gauche, là? Ouais. Mais sur le modèle logique, tu fais bouton ouais. Droit, show. Oh, OK, merci. OK, et là, on va dessiner nos entités. On clique sur le petit carré avec un engrenage. Monsieur, est-ce que c'est normal que je n'ai pas les outils pour dessiner comme vous? Oui. T'as-tu ici à gauche ton navigateur? Oui, j'ai cliqué sur modèle logique, puis j'ai fait show, là, puis ouvrir. Puis là, les outils en haut apparaissent pas. Oui, ils apparaissent pas. Oh mon Dieu, c'est Christian qui nous avait réglé ce problème-là l'année passée. Oui, ça se trouve dans les répertoires. Ça s'en vient. C'était propre. Tu te souviens-tu, Christian, dans les répertoires, il y a quelque chose de .SQL développeur qu'il faut que tu effaces quand tu as ce problème-là. Là. Ça vient de m'allumer que c'était dans les répertoires. Puis il faut que je sois dans un... Oui. Peut-être on pourrait... Sur Windows? Oui, Windows. Il faut que tu ailles effacer SQL Developer dans ton... local, dans ton répertoire... Ah! Regarde sur le chat, Christian te l'a mis. Et je dois avouer, Christian, t'es hot. Je pense que je l'avais mis dans... Est-ce que tu le vois? Est-ce que Christian a publié sur le chat? Oui, donc je dois supprimer ça? Oui, commence premièrement par fermer ton SQL développeur, va vider ce répertoire-là, puis cherche ton app data. OK, je vais essayer. OK. En attendant, on va poursuivre. Donc, on voulait étudiant. Excusez, pas de S.
dans les attributs ne jamais utiliser d'accent nulle part dans SQL Developer. Ça va vous sauver beaucoup de malheurs. Ah oui, et on doit habituellement, là, numérique. Non. Monsieur? Oui, Priscille? Est-ce qu'il y a un moyen de mettre auto-increment, genre pas besoin de saisir l'ID, que ça vienne automatiquement? Dans la réponse, c'est oui. OK. Et c'est dans le modèle physique, ça. Quand tu es au niveau logique, ça n'existe pas un auto-incrément. Tu me suis? Oui, c'est beau. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, on ne doit pas oublier de choisir logique, puis après ça, venir choisir l'attribut. Ça va nous servir par la suite lorsqu'on va aller dans le domaine physique. Oh, j'ai oublié l'ID, lui dire que c'est un primary key. Le nom, c'est naturellement obligatoire. Le prénom, obligatoire. Et là, on est rendu à... OK, je vous avais promis, je garde mes... Je vous donne une pause jusqu'à E40. On va terminer ça au retour de la pause. Monsieur? Juste une petite minute, je vais juste poser le recording. Alors, on a créé ici, rebonjour, soit dit en passant, on a créé l'entité étudiant et on est après délimiter ses attributs. On va laisser ça. J'aime pas ça quand ma capitalisation est postée. Monsieur? Oui? Je suis allé pendant le DSQL développeur juste pour Windows et il y avait deux trucs. Il disait soit je download Data Modeler, soit SQL Developer. SQL Developer, je l'ai déjà. Tu prends SQL Developer, puis là, tu as une option aussi avec la machine virtuelle. Je peux te montrer là, quoi sélectionner. Je sais pas, parce que moi, je suis. OK. Mettons, je vais prendre lui. Ouais, c'est ici que je suis tombé. Tu choisis Windows 64 bits, 8, JDK 8 included. OK, c'est ça. OK, parfait. Merci. Tu comprends Data Modeler, il n'y a pas de problème. OK, c'est ça. OK, merci. Monsieur? Oui, Mohamed. J'ai effacé SQL, ben, que j'ai fait comme Christian dit, j'ai effacé, puis j'ai relancé le SQL développeur. Puis oui. Rien, ça a toujours marché. Il devrait t'avoir dit, est-ce que tu veux importer les settings que tu avais précédemment? Ah, ben, ils m'ont pas dit ça. Non. Partage-moi ton écran, je vais mettre le meeting en mode pause. OK. Ah, stop share. Okay. Donc, on devrait être rendu à peu près ici. Vous devriez tout avoir créé l'entité étudiant. On va maintenant créer l'entité programme.
Puis, je vais quand même ajouter un petit code. Alors, on a maintenant nos deux entités comme on avait dans le petit modèle dans le PowerPoint, qui est ici. Et là, on va apprendre à faire les liens. C'est toujours une révision. La plupart d'entre vous ont vu comment opérer ça. On s'en vient ici avec le petit lien. On part et on s'en vient là. Oups! Clique la première entité, clique le second. Et là, on voit qu'on est à l'envers. Dans ce temps-là, on peut renverser ici un à plusieurs. Donc là, j'ai un programme qui doit contenir un ou plusieurs étudiants, ce que je ne veux pas. Donc, en fait, ici, ça devient optionnel. Et ici, obligatoire. Ça veut dire qu'on peut avoir des programmes sans étudiants et on doit mettre notre verbe ici. Donc, un étudiant doit, on va utiliser le verbe appartenir, appartenir à un seul programme. Un programme peut contenir. Et là, si je fais ça, on va voir, ils n'apparaissent pas. Pour faire apparaître les petits verbes, ces boutons de droit, show label. À partir de ça, on va mettre ça joli. Et on va en profiter pour remplacer juste ce petit bout-là ici que j'aime pas. Pour les besoins de la cause, on peut reprendre un petit peu plus grand du coup. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à produire le diagramme qui est ici? Je peux vous le grossir un petit peu.
En fait, ça m'affiche pas le appartenir et contenir. Pas de problème. Bouton droit sur ton diagramme, affichage, label, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est libellé en français. Pardon, non, c'est quoi en français? C'est libellé. Libellé. Est-ce que tu as réussi? Ouais, je l'ai en anglais, mais non, ça le fait pas en fait. Ça devrait être là. Si c'est ça, c'est parce que sur ta relation, tu les as pas mis. On va aller voir comment tu as défini ta relation. Donc, ça ici, c'est le name on source, name on target. C'est ici qu'il faut que tu viennes mettre le petit verbe. Oh, pour le contenir? Oui. Le name on source, il faut que tu le mettes ici et là. OK. Tu fais ça, il va être heureux. Il va s'afficher à l'écran. Est-ce que j'en ai d'autres qui n'ont pas réussi ou qui ont un petit bout qui ne fonctionne pas bien? C'est en plein temps. Il faut que ce soit maîtrisé, ça. En fait, ça marche pour moi, c'est juste que c'est à l'envers maintenant. J'ai appartenir à côté du programme. Mais oui, mais change-les. C'est deux ouais. Petites boîtes équivalentes. Il n'y a pas de problème. Mais... Tu retournes dans ton... Tu double-cliques sur ta relation. Et là, regarde, j'ai mis appartenir, moi, aux côtés de l'entité étudiante. Et contenir dans le programme. OK, oui. C'est le programme qui contient des étudiants et c'est les étudiants qui appartiennent au programme. Parfait, merci. Pas de trouble. Nobody left behind. Je vais m'assurer que je n'ai pas un étudiant qui est en attente. Non, tout est beau. La fenêtre Magical, Hamza, tu l'as-tu? Tu as cliqué sur Logical, tu as fait bouton de droite, show. Ah ouais, non, ça, c'est, je l'ai fait tout à l'heure, c'est bon. Parfait. Tout le monde est beau. Là, il nous reste à générer à partir de là notre modèle physique. Donc, sur le logique, on fait bouton droit. Le troisième menu avant la fin, Engineer to Relational Model. Je pense que c'est générer le modèle relationnel. Vous appuyez dessus. Pfiou! Engineer, et vous devriez avoir un modèle qui ressemble à ça. Pouvez-vous refaire cette étape? Oui, s'il vous plaît, parce que ça a coupé pendant un petit moment. Il n'y a pas de problème. Merci. Sur le modèle logique, vous appuyez le bouton droit « Engineer to Relational Model ». Ça ouvre une petite boîte et vous appuyez « Engineer ». Fini. Ça va créer votre modèle relationnel. Et là, vous pouvez sauvegarder avec « File ». Puis là, vous ne faites pas « Save » ici. Vous faites « Data Modeler »,« Save As » pour sauver votre modèle. Un coup qui est sauvegardé, tu peux fermer, 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 puis là, on va revoir comment y retourner. Affichage, Data Modeler, c'est pas vrai, on peut y retourner avec File, Data Modeler. Ouvrez,
diagramme étudiant 2. Vous prenez toujours le point DMD, mais si vous voulez copier votre modèle, il faut toujours prendre le point DMD et le répertoire. Vous faites « Open ». Oh, il a déjà ouvert. Bougez pas. Je ne l'avais pas fermé. Close design. OK. Là, il est fermé. File. Data modeler. Open. Diagramme étudiant 2. It's 14 hours. Et là, vous voyez que vous avez récupéré votre modèle logique et votre modèle relationnel. Alors, je vais vous déposer l'exercice de modélisation sur Léa et on va reprendre après la pause, de retour à 14h06, le temps que je vous mette ce document-là sur Léa. Bien, ici, je vous lis le laboratoire de modélisation pour voir qu'est-ce qu'on a à faire. OK. Alors, en fait, vous êtes la compagnie de transport Legit Logistique et on a une BD. Pas besoin de préfixer vos tables avec EX8 parce qu'on ne créera pas les tables. Donc, c'est une entreprise qui possède des bateaux sur lesquels on peut mettre des conteneurs de différentes capacités. Si on lit juste ce premier paragraphe-là, selon vous, est-ce qu'on parle ici d'un type d'entité? Si oui, lequel? Type de bateau. Une entité, ce n'est pas un type. Une entité, c'est un bateau. Donc, ici, on parle de l'entité bateau. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre information dans le paragraphe? Là, on vient d'identifier bateau. Différentes capacités. Ça s'appelle comment, ça? La capacité est d'un bateau. Je pense attribut. C'est un attribut. Donc, on a une entité qui est nommée ici, puis là, on a différentes capacités. C'est mesuré comment? Ah, on a un drapeau, en tout cas, on a une nationalité, et la capacité est mesurée en TEU. Parfait. Donc, moi, je lis deux attributs. Nationalité et capacité. Est-ce qu'on peut mettre vitesse également? OK. On va mettre l'attribut haute vitesse qui va être un attribut oui-non. C'est un bon point.
Je pense. Ou tu peux mettre vitesse, on pourrait mettre lent ou rapide, c'est bon. Donc, souvent, quand je fais cet exercice-là, j'identifie l'entité en jaune, ses attributs, qui est la capacité, puis une autre couleur, mettons vert. Donc, vitesse, vert, nationalité. Est-ce que, parce que c'est écrit type de voyage, est-ce que ça fait quelque chose aussi à en prendre en compte? On va peut-être le voir plus tard. D'accord, parfait. Mais c'est un bon point que tu nous dis. On va se poser la question ici. On peut utiliser différents types de voyages. Est-ce qu'on va avoir des types de voyages? On va mettre en rouge pour voir si on peut résoudre plus loin. Donc, un bateau peut faire plein de voyages. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Relation, association. Avant ça, j'ai juste une entité en ce moment. Voyage. Merci. Et voyage se trouve à être une entité. Un voyage, qu'est-ce qu'ensuite ça a comme attribut? Un port d'origine et un port d'arrivée. OK. Mais là, j'ai une question pour vous. Chaque voyage va avoir un port d'origine puis un port de destination. Qu'est-ce que ça nous suggère? Notre entité. Oui, notre entité qui serait le port. Hein? Ou moi, je mettrais peut-être une entité que j'appellerais ville, mais c'est un bon point. Port. Donc, et après ça, on va être capable de dire origine, c'est un attribut du voyage. Envers. Et destination, c'est un attribut. Date de départ, croyez-vous que c'est un attribut? Oui. Oui. Et date d'arrivée aussi. Il y avait... Oups, excuse, vas-y. Non, je disais date d'arrivée aussi. Je n'ai pas compris, mais tu peux répéter. Il y a une date d'arrivée. Non, on ne la voit pas, à moins que ce soit moi qui la trouve pas. Non, on ne le voit pas pour le moment. Et là, par contre, il y avait quelqu'un qui avait donné un bon point tantôt qui a dit différents types de voyages. Dans notre entité voyage ici, tu as normaux, mais il y a aussi des voyages express. Donc, type de voyage là, qui était ici, c'était effectivement une entité, un attribut, pardon. On va arrêter là, puis on va commencer à faire ça dans SQL Developer. Je fais par exprès, j'ai tout fermé. Affichage Data Modeler Browser, il est ici. Je m'en vais sur mon modèle logique affiché. Alors, on a une première entité qui s'appelle bateau, qui possède des attributs. Puis là, vous devez toujours y mettre votre attribut de clé primaire. Moi, je le mets toujours comme étant numérique. Comme ça, plus tard, le système va être capable de le générer tout seul. Le bateau. Moi, je vais y mettre une description. Malgré qu'il n'est pas nommé, il me semble que ça serait plus intelligent si le bateau a une description. Étant donné qu'il n'est pas nommé, bien, on va supposer qu'il est optionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon... OK. Capacité. Capacité. Ça, c'est mesuré dans un nombre numérique. Après, c'est obligatoire. Et là, la nationalité, là, à mon avis, on peut avoir plusieurs bateaux de la même nationalité.
Fait que moi, je créerais une nouvelle entité. Y a-tu quelqu'un qui comprend pourquoi ou qui ne comprend pas? Ce qu'on a ici, bateau de nationalité différente. Est-ce quelqu'un qui a une suggestion? Oui. C'est à cause de la mémoire qu'il faut qu'on crée une nouvelle entité pour utiliser comme l'idée des pays pour les bateaux. Ah ah, c'est bon ça. Puis ça va me permettre juste de les choisir d'une liste, puis les gens ne se tromperont pas. Donc, pour le moment, eux autres ont appelé ça nationalité. On va y aller. On va utiliser le même nom. Là, je vous l'ai dit plusieurs fois, jamais utiliser d'accent en SQL développeur. Les nationalités, logical, numérique, primary, plus, puis mettons, on va dire, pays, logique, char. Puis on va forcer qu'il y ait une description. OK, donc on a, oh, on a oublié les vitesses. On va retourner sur notre bateau, puis on va ajouter vitesse. Ça. Là, la question est bonne. Les vitesses, ils n'en parlent pas en nombre de nœuds. C'est vite ou plus vite ou moins vite. Fait qu'on va garder ça comme un varchar. Et là, qu'est-ce qu'on fait plus tard dans l'application? Donc, on se laisse 20 caractères. Pas sûr, c'est obligatoire. Bon, là, on a notre bateau ici. Capacité à type de voyage, ça va aller dans le voyage. Vitesse, nationalité, c'est fait. Là, on a un bateau qui peut faire plein de voyages. Bon, naturellement, à la fois. Donc, ça nous suggère qu'on a une nouvelle entité. Voyage. Primary key. On pourrait y mettre une petite description. Et là, j'ai mes ports. Là, j'ai oublié de faire mon lien avec mes ports. Chaque voyage a un port. Ah, on peut rajouter la date, par exemple, avant d'aller créer nos ports. Donc, date. Je répète encore, jamais utiliser d'accent dans SQL Developer. Un champ date. Mais du coup, capacité, vous l'avez écrit avec un accent. Là, tu vois, c'est en... Merci pour la correction. Ça, c'est quoi? À part des problèmes, là, ça ne crée rien de bon. Surtout si on veut utiliser la capacité de générer des scripts. Alors là, on n'a pas. Et des nationalités aussi, je pense. Je vais aller corriger, tu as entièrement raison. Et je crée ma nouvelle entité par. Départ, toutes mes ID, mais je les mets numériques, c'est plus facile à gérer. Primary key, apply. Puis moi, comme description, je vais mettre la ville. Je vais
que c'est obligatoire, sinon ça n'a pas de sens. Bon. Et mon ID nationalité ici, il faut que j'aille corriger un petit faute d'orthographe. Bon, on a mis, donc ça me prend origine destination, donc ça veut dire, là en ce moment, si vous voulez mon opinion, pour les deux premières lignes, on peut même commencer à faire des liens. Ah, on a les types de voyages que j'ai pas mis. Voyage, attribut. Est-ce qu'on doit faire aussi un tableau pour les types de voyages pour la même, pour les mêmes motifs de nationalité ou pas vraiment? C'est tellement intelligent, ça me fait peur. Alors, effectivement, moi, si je faisais le design de l'application, je me créerais une table de type de voyage. Par contre, c'est pas demandé dans le cadre de ça. C'est parce que tu comprends que si tu peux réutiliser les mêmes types et tu as créé un voucher, si plus tard tu veux faire des rapports, ben là, tu as des dangers de faute d'orthographe. Tandis que quand tu as créé une table de type de voyage, ben il y a quelqu'un qui va créer le type et toi, tu vas les associer. Alors, c'est une très bonne idée. Pour le moment, moi, je vais le mettre en voucher, non obligatoire, comprenant très bien que c'est une nettement meilleure idée qu'Adriana a suggéré que moi qui va prendre un raccourci ici. Là, on va être rendu, avant de continuer, on va faire des liens. Là, donc, on a mis ça ici, type de voyage. Oh! On a quelque chose ici là, qui est nouveau. Selon vous, qu'est-ce que c'est, à quoi on va se servir de ça? Voyage? Je pense qu'il l'ont d'employé. C'est quoi? On a une nouvelle entité qui est employée. Puis dans employé, il y a probablement même un titre. Fait qu'on a besoin d'une nouvelle table. On va au moins mettre son nom. Nom pour moi, comprenant nom, prénom. Ça va être obligatoire. Il doit avoir un nom, monsieur. Et on va mettre son titre. Capable de lui mettre capitaine. Et là, ça pourrait être un lien, comme l'a dit Adriana, pour les types de voyages. OK. Donc là, on a lu les deux premiers paragraphes et il existe des liens là-dedans. On va essayer de les trouver et des associations. Juste remplir ça un petit peu ici ma boîte pour permettre à tout le monde de voir. OK. Entre bateau et voyage, c'est quoi la nature de l'association? Essayez de me dire ça avec une phrase avec nos merveilleux peuvent et doivent. Un bateau. Peut effectuer plusieurs voyages, un ou plusieurs voyages. Voilà. Donc, et un voyage concerne un. Va être effectué par un et un seul bateau, right?
On voyage le même voyage, on ne changera pas le monde de bateau ou les conteneurs. Donc, on fait ça. Et là, on dit un bateau peut effectuer un ou plusieurs voyages. Un voyage doit être effectué par un seul bateau. C'est déjà comme ça. Donc, là, on va passer à notre verbe. Le verbe ici, entre bateau et voyage, c'est assez facile. Un bateau peut, puis le verbe, ça va être effectué. Et un voyage doit être fait et là on va s'assurer de faire bouton droit show label. C'est vrai que tout le monde voit. Donc ça, ça se lit toujours un bateau peut passer tireté effectuer un ou plusieurs voyages parce qu'il a la petite patte. Un voyage doit, parce qu'il est plein, être fait par un et un seul bateau. Ça a du sens, ça? Ouais. Ouais. Alors maintenant, je vais vous demander en bateau et nationalité de me dire avec une phrase pour commencer, c'est quoi la nature de l'association? Un bateau doit avoir une nationalité. Donc, un bateau doit avoir une nationalité. Une nationalité peut être portée par plusieurs bateaux. Parfait, c'est exactement ça. Donc, je fais mon lien. Et là, on voit qu'il est à l'envers. Un bateau ne peut pas avoir plusieurs nationalités, là, contrairement à un humain. Donc, on va virer la relation de côté. Et là, la nationalité est forcée, en fait, elle doit être optionnelle et le bateau doit absolument posséder une nationalité. Et maintenant, on lit un bateau peut, non, ça doit, laissez-moi faire un play, là, bon. Un bateau doit, on va mettre posséder, une et une seule nationalité. Si on lit à l'envers, une nationalité peut, on va dire, être portée par un ou plusieurs bateaux. Entre voyage et port, il y avait un lien. En fait, là, ce n'est pas simple, on en a deux. Parce qu'on doit posséder un port d'origine et un port de destination. Donc, il y a deux liens. Et là, vous allez voir qu'en nommant, ça va être plus clair. Quelle est la nature du lien si je parle de origine? Un voyage doit être fait par depuis un port? Là, c'est ça. Là, il va falloir juste considérer port d'origine. Donc, un voyage doit posséder un et un seul port d'origine. Hein, parce que si je suis un voyage qui part de Montréal jusqu'à New York, ben je vais avoir un seul port d'origine. Mais ce port-là, lui, peut être associé à plusieurs voyages. Et le nom de la relation, on va appeler origine. Oups, je suis de port à port, excusez. Un voyage doit, il faut absolument qu'il soit doit. Name and source. On va appeler ça partir de. Et un port, c'est l'origine de. Originer.
3 de verbe, 2. On va essayer de voir ce que ça dit ça. Donc, un voyage doit partir de hop, un ou plusieurs ports. On voit qu'il y a une erreur, ça se peut pas. Il faut que je parte d'un seul port. Donc, ma relation est inversée. Puis là, je n'ai pas mon petit label. OK. Donc, un voyage doit partir de un et un seul port. Un port, ça va être l'origine de un ou plusieurs voyages. Je peux avoir plusieurs voyages qui embarquent là. C'est être. Puis on va avoir la même nature de relation pour le port d'arrivée. Et là, comme je vous dis, là, celui-là, c'est un peu, on va dire l'expression anglaise, tricky. Donc, on va avoir même nature de lien. Donc, il y a un deuxième lien qu'on va faire entre voyage. Et pas. Donc, on va appeler la relation destination, un voyage, arriver, hein, ça va être assez simple, arriver à un et un seul port. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est optionnel. Et un port doit être la destination. Oups! Mais on voit que je suis à l'envers. Peut-être ça donne un petit peu de distance. Donc, une petite particularité ici, là, on a deux liens, mais c'est deux liens de nature différente. Et là, quel serait le lien entre voyage et employé? Un employé peut effectuer plusieurs voyages. Oui. Et si je l'ai de l'autre côté? Un voyage dehors peut concerner un et un seul employé. Un ou plusieurs. Et un ou plusieurs. Là, on a quelque chose de très, très rare qui est un plusieurs à plusieurs. Parce que, tu sais, j'ai des capitaines, mais j'ai d'autres. Donc, je vais avoir la relation un voyage. Là, on va forcer. Ça doit être fait par un ou plusieurs employés. Un voyage doit, on va dire, comprendre. Un ou plusieurs employés. Un employé peut effectuer. Monsieur? Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est obligatoire le comprendre. Parce que je peux pas faire de voyage si j'ai pas d'équipage. Mais je peux pas comme créer le voyage en avance. Il faut que j'aille des personnages. C'est la même chose de cours, non? Comme les cours je suis d'accord avec toi. Alors, ça va être plusieurs optionnels. Ce qui n'est pas commun. J'ai pas compris, monsieur, pourquoi c'est optionnel.
OK. C'est parce que ce qu'Adriana disait, c'est que oui, mais si je crée le voyage 2 ans à l'avance, que je ne suis même pas sûr de le faire, peut-être que je n'ai même pas engagé d'employé encore. Donc, je ne peux pas mettre un obligatoire de voyage vers employé. Sinon, quand je vais créer mon voyage, je vais être obligé d'associer au moins un employé. Fait que je suis d'accord avec son interprétation. OK, merci. Mais c'est une très bonne question. On va sauver mon modèle. Data Modeler, Save As. On va appeler ça Pato. Vous donner une idée vers où on peut aller avec ce modèle-là. Alors, je vais vous demander de continuer d'avancer votre modèle en lisant et en ajoutant
Comme je dis, il peut en avoir beaucoup, Priscille. Oh, oui. Mais si on poursuit la lecture, ça vient ici. Donc, on pourrait avoir des statuts de voyage si l'on ne l'a pas mis. Alors, le statut de voyage, ça se trouve être quoi, ça? Est-ce que c'est une entité, un attribut ou une association? Moi, je pense que c'est un attribut, mais... Attribut, quelle entité? En fait, moi, je pense que c'est comme l'issue d'une relation plusieurs à plusieurs. Entre bateau et voyage, je crois. Non, ça, c'est le voyage qui a le statut. Fait que c'est vraiment un attribut de voyage. Donc, voyage, ça, on voit son statut. OK. On revient dans notre modèle qu'on avait tantôt, voyage. Et on a simplement à lui donner un statut. Et en ce moment, c'est un voucher. On va donner 20 noms. Et Adriana, si elle ne se retenait pas, elle dirait oui, mais les statuts vont être réutilisés tout le temps. On ne serait pas mieux avec une table de statuts? La réponse, c'est oui. On serait mieux avec une table de statuts qu'on associe à voyage. Stature, mais bel et bien statut. On continue. Ah, un taux pour les ports. C'est un attribut de quelle entité, ça? Porte. Oui, c'était un attribut des ports. Ah, il faut aussi mettre les ports avec un lien avec nationalité à cause de ça. Exactement ça. Donc, c'est probablement obligatoire. Donc, notre port, il y a un ID port. Donc, il va falloir maintenant relier port à nationalité. Une nationalité, mettons une nation, c'est posséder un ou plusieurs ports, un port, être localisé. Oui, une nationalité peut avoir plusieurs ports, entre autres. Ici, au Canada, on a des ports en Colombie-Britannique, on a des ports à Montréal, on a des ports à Toronto. Et un port, lui, doit être localisé dans une nationalité. On peut supposer que certaines nations ne posséderont pas de port. C'est une bonne façon de le voir. Alors, je vous laisse avancer tranquillement encore un peu sur le modèle, puis je vais en refaire quelques-uns avec vous autres. Après ça, on prend une pause à 3 heures et on change de sujet. On va avoir de la nouvelle matière qui s'appelle les cas d'utilisation. Une pause à 3 heures? Je pense qu'on finit le cours à 3 heures. Oui, c'est ça. On a un autre cours à 3 heures. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je mélange toujours le cours de BD avec mon cours d'application sécurisée.
pas pour sauvegarder votre modèle, vous devez aller dans Data Modeler, Save ou Save As. Sinon, vous ne sauvez pas votre modèle. Je répète, vous devez aller dans File, Data Modeler. Faites-vous pas prendre, il y a un Save ici, ça ne marchera pas. Ben oui, ça me fait plaisir, excuse-moi. Avant la fin du cours, on est ici. Puis elle n'est pas bonne, la ligne n'est pas tout à fait droite. Ah! Et pas File, Data Modeler, Save. Et là, après ça, eh bien, sur ce, je vais vous laisser aller. On pourra revenir avec les questions au prochain cours. Et pour ceux qui le veulent, prenez un screenshot si vous voulez le finir pour le prochain cours. Alors, je vous donne 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci du cours. Au revoir, bonne journée. Avec plaisir. Au revoir.